Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour à toi qui écoute cette vidéo. J'ai un message d'encouragement, de fortification pour toi. Faut savoir que Dieu commence toujours les choses simplement et il les rend grands. En fait, quand Dieu a demandé à Moïse d'aller voir le Pharaon, Moïse a eu peur. Il a eu peur d'aller voir le Pharaon parce qu'il connaissait la puissance de l'armée de Pharaon. Il connaissait la puissance en fait du Pharaon et il en a eu peur. Et Dieu justement lui a dit de se servir de ce qu'il avait dans les mains. Il s'est servi de son bâton, un simple bâton, pour faire de lui un grand. Voilà. Je vais te lire le passage. Je serai un peu rapide parce que j'ai un rendez-vous. Moïse répondit, alors là on est dans Exode 4, 4:1. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils me diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, prends la main, enfin tends ta main. Et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent revient alors un bâton. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Voilà mon frère, ma soeur. Dieu se servira de ce que tu as dans les mains. Ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas les choses simples. Voilà, tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de ta ville. Tu es le Moïse de ton pays. Élève-toi. Il est temps maintenant. Bonne journée.